Bonsoir tout le monde. Lechaim, lechaim. Donc c'est, ce soir nous faisons ce cours, les Elohi Nishmat de Avraham Ben Masoud Nachmani, Sheye Lo Neshama Aliyah, Ezrat Hashem, Shete Nishmato, Betzora, Betzora Chaim, que son âme soit en paix au Gan Eden. Amen. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Shehakol Nihya Bidvaro. Amen. Alors, ce soir, le cours est basé sur la méditation. La méditation, c'est quelque chose qui est... Déjà, c'était un vrai défi. Mais enfin, vous me direz à la fin, hein, qu'est-ce que vous en pensez. Oui, j'espère qu'on va apprendre comment méditer. Voilà. On va apprendre à s'asseoir et tout. Alors... Qu'est-ce que la méditation ? Alors, il y a plusieurs sortes de méditation déjà, en premier lieu. Il y a la méditation personnelle, que chacun peut faire tout seul. Il y a la méditation qu'on peut faire quand on est à plusieurs, ce qui est plus compliqué parce que les autres peuvent embêter. Surtout que le but de la méditation, c'est... Bonsoir. Le but de la méditation, c'est de pouvoir se mettre à l'intérieur de soi-même, réussir à aller retrouver son soi-même. Alors, premièrement, qu'est-ce que la Torah nous dit ? Très clairement sur la méditation. Elle nous dit tout simplement, quand on fait la tefila, quand on fait la prière, il faut penser à Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Je suis tout le temps avec Dieu. Tout le temps, Dieu est avec nous. Pourquoi c'est très important de penser à ça? Parce qu'il y a une phrase qui est tout à fait simple et très connue dans la Torah, c'est tout ce que Hashem y fait, c'est pour le bien. Alors tout le monde connaît l'histoire de Rabbi Akiva, qu'il est parti devant une ville pour rentrer, il était déjà tard. Quand il arrive, les gens de la ville leur disent c'est trop tard, vous ne pouvez pas rentrer dans la ville. Il dit mais il y a la forêt à côté, où est-ce que je vais dormir, comment je vais faire et tout. Il dit non, trop tard, les portes sont fermées, on ne peut pas vous ouvrir. Pas le choix. Il dit bon, si Hachem il a fait ça, c'est pour le bien. Qu'est-ce qui se passe? Il va dans la forêt, il s'installe, il a avec lui son âne, il a son coq et il a une petite bougie pour pouvoir étudier la Torah pendant la nuit. Il y a un lion qui arrive, qui le mange son âne, et il dit, ah, tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Il y a un renard, un chat qui vient, qui lui mange son coq, bah, tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Faut être courageux, hein. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il allume sa petite bougie pour au moins étudier la Torah. Et il y a le vent qui vient, qui éteint, il rallume le vent, il éteint, et il dit, bon, si Hachem il veut pas que j'étudie, c'est que Hachem, il a ses raisons. Qu'est-ce qui se passe? Quelques instants plus tard, il y a des brigands qui arrivent dans la ville, qui détruisent la ville, ils tuent tout le monde. Et heureusement que l'âne n'a pas fait de bruit, sinon il l'aurait attrapé. Heureusement que le coq n'a pas fait de bruit, sinon il l'aurait attrapé. Heureusement que la bougie était éteinte, parce qu'il aurait vu, il l'aurait attrapé. Donc, quand on a une foi complète, parce que tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien, c'est vraiment comme ça à chaque instant de tout, depuis le début de la création du monde jusqu'à maintenant. C'est pas évident à comprendre, c'est pas évident à voir, mais c'est comme ça. Et lorsque... Il y a eu les 10 martyrs, donc 10 grands rabbis qui ont été tués par les Romains. Les anges sont partis voir Dieu et lui ont dit « Mais comment tu peux faire quelque chose comme ça ?» Encore, tu me dis « C'est des gens qui ont fait plein de bêtises, Nagui, il y a une raison. » Mais on parle de 10 grands rabbis qui n'ont jamais fauté de leur vie. Et la réponse était « Si vous voulez que je retourne le monde, je peux le faire. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous voulez que je vous montre depuis le début de la création ce qui a été fait et ce qu'il faut arranger et que, pour comprendre pourquoi j'ai dû enlever... ces grandes tzadikim de ce monde, je peux le faire, mais vous n'allez pas spécialement comprendre. Parce que nous, quand on voit quelque chose, on le voit une centaine d'années avant, une centaine d'années après, mais on ne voit pas 5000 ans derrière. Donc on ne peut pas comprendre, vraiment les desseins de Dieu. Ça, c'est un petit peu très, très, très rapidement. Alors, quelle est la vie du Rabbi de Lubavitch sur la méditation? C'est intéressant parce qu'il y a une fois, le Rabbi en parle, et il dit comme ça, il dit qu'on doit choisir le chemin de la vie, et pas comme les idolâtres qui idolâtrent le soleil et la lune, et que pour cela, il y a une question dans le Talmud qui est très simple, c'est que quelqu'un y pose à un Rabbi, lui dit,
si les gens idolâtrent le soleil et la lune, comment ça se fait que Dieu ne les détruit pas? Comme ça, ils ne peuvent plus les idolâtrer. Et la réponse, elle est simple. Pourquoi, à cause des gens qui sont stupides, on va détruire un monde? C'est leur problème s'ils font ça. Mais nous, on a besoin du soleil, on a besoin de la lune. Donc, Hachem fait des fois des choses qui peuvent nous paraître pas justes, mais en fin de compte, c'est pour notre bien. C'est pas toujours évident à comprendre. Et la méditation, c'est une sorte de calmant. Et lorsque quelqu'un l'utilise de la bonne façon, ça peut être très bien. Mais si on l'utilise de façon idolâtre, là, c'est problématique. Donc, ça dépend comment on va l'utiliser. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de rentrer, c'est vraiment dans, à l'intérieur de la méditation, quelles sont les différences entre la méditation bouddhiste, hindouiste, etc., avec la méditation que la Torah nous donne. En règle générale, dans la méditation, on ne la voit pas clairement dans la Torah, on la voit surtout dans la prière et surtout dans la Kabbale. Donc on va essayer de rentrer un petit peu dans tout ça. La première base de la méditation, c'est pour pouvoir réussir à rentrer à l'intérieur de soi et de se retrouver. Donc c'est de retrouver son « ani ». Ani, qui en hébreu, qui veut dire mon moi personnel. Alors par exemple, est-ce que mon moi, c'est ma pensée? Je pense, donc je suis. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Sauf que la pensée, c'est pas moi, puisque c'est je pense. C'est qui le je? C'est ça qu'on veut savoir. La pensée, c'est pas encore moi. J'utilise mon cerveau pour penser, j'utilise même ma force spirituelle pour penser. Mais qui c'est moi? Qui c'est je? J'aime, donc je suis. Mais l'amour, c'est quelque chose qui est... C'est un sentiment. Mais qui c'est je aime? C'est qui je? C'est ça que la méditation va essayer de nous faire réussir à trouver. Et ça, c'est pas du tout évident. Alors souvent, très souvent, on passe le temps à plein de choses. Ça peut être Mozart, un bon discours, etc. Et en fin de compte... Lorsque on commence à réfléchir qu'est-ce qui a fixé notre vie, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on est comme ça, qu'est-ce qui sont les plus beaux moments de notre vie, est-ce que c'était le moment où on était au théâtre, est-ce que c'était le moment où on a vu un film au cinéma, est-ce que c'était où on a joué la meilleure partie d'échecs ou de football, etc. Ou c'était les meilleurs moments qu'on a passés en famille et qu'on a fait le kiddush tous ensemble et qu'on a fait les fêtes tous ensemble. Quels sont les meilleurs moments de notre vie? Quand on réfléchit vraiment, on se rend compte... que, imaginez-vous un petit peu, juste que vous venez de partir de ce monde et que vous êtes à côté de votre tombe et que tous les gens parlent sur vous. D'après vous, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, il a fait le tour du monde. Voilà, il a joué à telle partie. Ou alors, voilà, c'était quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a toujours aidé les autres, qui a fait attention à ses enfants. Qu'est-ce qu'on va dire? On va plutôt dire cette deuxième possibilité. Pourquoi? Parce que la personne, les moments les plus importants... qui forment, qui forgent la personne, qui sont la personne, ce sont ces moments privilégiés qu'il a avec sa famille, qu'il a avec sa spiritualité. Ce qui fait que les choses qui sont extérieures à nous, ce n'est pas nous, c'est une chose qu'on va utiliser, mais les choses qui sont vraiment nous, il n'y a que ça de vrai. Qu'est-ce qui est vraiment nous? Tout ce qu'on va utiliser pour notre bien personnel. Lorsque je vais jouer au foot, le foot me fait du bien, mais ça reste extérieur. Lorsque je fais le kiddush, c'est pas seulement le kiddush qui me fait du bien, c'est une partie de moi qui vit. Et ça, on le ressent au plus profond de nous-mêmes. Ce qui fait que chaque petite chose à l'intérieur de nous qui va nous faire retrouver son vrai soi-même, ce ne sont en fin de compte que ces moments privilégiés où on arrive à se retrouver avec Dieu, puisque nous sommes une partie de Dieu, nous avons une âme qui est une partie de Dieu. Alors, imaginez que vous avez une peinture, d'accord? Vous la peignez une autre peinture dessus. Si on gratte, qu'est-ce qui se passe? On va retrouver celle qui est derrière. Donc, quelle est l'originale? Celle qui est en dessous, celle qui est au-dessus? Celle qu'on voit à l'extérieur, pour nous, c'est l'originale. Si on gratte, on voit qu'il y en a encore une autre en dessous. Et si on gratte encore, qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est vide. Alors, c'est quoi l'originale? Est-ce que c'est le vide? Est-ce que c'est la première peinture? C'est la deuxième peinture? C'est le vide? Même le vide, il vient de quelque part. C'est pas évident. C'est pour ça que la question qu'on va essayer de se poser maintenant dans la méditation, c'est méditer pour savoir qui on est. Alors la première chose, c'est qu'on doit gratter l'extérieur. C'est quoi l'extérieur? C'est tout ce qui fait notre vie aujourd'hui.
le business, le métro, boulot, dodo, même les soucis, et même, si vous voulez, le couple, les enfants, tout ça. On va gratter, on va mettre de côté. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rester notre soi-même. Imaginez, vous êtes tout seul à la maison. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Lorsqu'on va chercher tout le temps à aller trouver quelque chose d'extérieur pour nous occuper, ce qui est en général très classique, on va aller faire soit le ménage, soit la vaisselle, que ce soit faire un repas, que ce soit voir un film, que ce soit travailler, que ce soit... On prend quelque chose d'extérieur pour s'occuper. C'est pas nous-mêmes. La méditation réussit à nous faire retrouver soi-même. À ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on peut réussir à savoir qui on est vraiment. Et donc s'asseoir et réfléchir à savoir qui on est peut nous donner aussi la possibilité de comprendre qui on veut être. Comment est-ce que notre extérieur va vraiment parler à notre intérieur? Ça, c'est très, très, très difficile. Et celui qui arrive à le faire, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, premièrement, réussir à vouloir faire la méditation, sachez que ce n'est pas du tout, du tout évident. Le faire, c'est encore moins évident. Mais réussir à le faire, ça, c'est vraiment un exploit. Mais là, on arrive et on reste encore au niveau simple de la méditation. Pourquoi ? Vous voyez que le mot « ani » en hébreu, c'est le même mot que « aïn », qui veut dire « rien du tout ». Le « moi », c'est « rien du tout ». Quand on a compris qu'en fin de compte, l'original, c'est qu'une feuille vide, et il n'y a que nous qu'on peut écrire notre histoire, c'est qu'on a déjà compris la base de qui on est vraiment. En fin de compte, on n'est pas grand-chose. Donc lorsqu'il y a un problème, on va dire, dans la vie en règle générale, réussir à ressentir qui on est vraiment, ça nous aide à savoir et à se mettre de côté et à gérer le problème de façon plus extérieure. C'est pour cela que, très souvent, quelqu'un qui a l'habitude de faire la tefila, de prier, et plus celui qui arrive à prier, pas seulement prier, mais prier vraiment de façon concentrée, a plus de facilité à gérer ses problèmes extérieurs. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que lorsqu'on est dans le problème, on ne peut pas se sortir tout seul, on a besoin de quelqu'un qui nous sort du problème. Lorsqu'on arrive à sortir du problème pour pouvoir le voir et à ce moment-là le gérer, alors c'est déjà beaucoup plus simple. Comment on fait pour sortir, pour se retrouver soi-même et laisser le problème à l'extérieur? Seulement lorsqu'on se concentre à qui on est vraiment. Pour cela, il y a deux possibilités. Ou on essaye de savoir qui on est vraiment de cette façon, ou alors on va sortir, pour sortir, on va s'attacher au vrai qui est Dieu. Et lorsqu'on se concentre dans la prière, dans la tefila, automatiquement on se sépare du monde. Et regardez quand vous venez Shabbat, et qu'on commence à faire la tefila, y compris qu'on oublie tout ce qu'il y a, tout le business, etc. Alors à ce moment-là, on est tout à fait différent, on est reposé, c'est pas logique, c'est même pas compréhensible. Ce qui est vraiment pas compréhensible en fait, c'est pas le moment où on arrive à se séparer, c'est le moment où on repart dans le monde. Comment ça se fait qu'on arrive à se détacher complètement? Et qu'en fin de compte, quand on a sorti de la synagogue, on ferme la porte, on est replongé dedans complètement. Complètement, c'est oublié, comme si on n'avait jamais on n'avait même pas médité une seconde. C'est pour cela que avoir ce sentiment d'être seul et méditer pour réussir à se ressentir qu'on est seul et qu'on n'est pas grand-chose et que retrouver son vrai moi, ça peut rendre fou. Parce que, regardez par exemple les enfants. Un enfant, il vit dans son monde. Il est dans son film, il peut vous inviter à inventer des histoires, pas possible. C'est tout mignon, c'est magnifique. Et pourquoi ? Il se protège en fait, soi-même, eux-mêmes, de tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Ce qui fait qu'il y a plusieurs possibilités de sortir des problèmes que nous avons. Il y a la facilité. La facilité, c'est quoi ? C'est de s'inventer un monde autour. Et à ce moment-là, on repousse le problème. Comme par exemple, prendre un livre et lire. On sort du problème, on oublie les problèmes autour, ça nous fait du bien, ça nous détend. Le problème, le souci là-dedans, c'est que lorsqu'on a fermé le livre, le problème est toujours là. Lorsqu'on voit un film, ça détend, mais quand le film est fini, le problème est toujours là. Donc même dans la méditation, lorsqu'on va réussir à méditer sur nous-mêmes, etc., quand on va ressortir, le problème sera toujours là. Et c'est exactement le souci qu'il y a dans la méditation bouddhiste ou hindouiste. C'est quoi ? C'est qu'ils peuvent rester des jours, mais des jours, des heures, des jours, même des fois des mois, ils sont là, ils ne bougent pas, ils regardent un objet, ils sont dans l'objet, ils vivent l'objet.
Ils sont dedans. C'est extraordinaire. C'est une force de concentration qui est inimaginable. Que nous, si on essaye, impossible. Et pas seulement ils y arrivent, mais ils sont bien dedans. Ils sont séparés du monde complètement. Le problème, c'est que quand ils ressortent de là, est-ce que le monde a changé autour d'eux? Non. Est-ce que l'objet a changé? Non. Est-ce que eux, ils ont changé? Non. Mais ils ont pris du recul. Ils ont pris du recul. Mais est-ce que ça a fait quelque chose dans leur vie? Est-ce qu'ils ont changé quelque chose dans leur vie à cause de ce recul? Mais c'est comme la prière, on apprend à prendre du recul. Oui, mais c'est exactement ça. Donc, en fait, on peut tout à fait faire la prière de la même façon que les bouddhistes. Chas v'shalom. Ce que je veux dire dans la différence, c'est est-ce que, en fin de compte, lorsque on va revenir après la méditation, après avoir réfléchi, après avoir s'être concentré, après avoir pris du recul, avoir la solution pour gérer nos problèmes ou pas? Lorsque, dans les autres nations, ils vont faire cette méditation, c'est simplement pour se séparer du monde. C'est très bien parce que ça détend. Ça permet de se retrouver, ça permet de se séparer du monde, qui est très important de temps en temps. Mais si, quand on revient, rien n'a changé, alors on n'a rien gagné. C'est simplement se sauver du problème. C'est pas se battre contre lui. Donc, c'est pour cela que un fou en hébreu, ça s'appelle un shoté. Shoté, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de date, il n'a pas de connaissance, il est séparé des autres. C'est pour cela qu'en hébreu, lorsque Adam et Chava, Adam et Ève, ils vont se connaître, ils vont aller ensemble pour avoir un enfant, comment c'est écrit dans la Torah ? Yelahem da'at. Ils vont se connaître. Parce que celui qui n'a pas de connaissance de l'autre, eh bien, il se sépare. La connaissance, c'est ce qui nous fait nous attacher. La même chose dans un couple. Celui qui pense qu'il n'y a que l'amour qui attache un couple, c'est une erreur. C'est la connaissance de l'autre, la recherche vers l'autre qui fait que nous sommes ensemble. C'est ça qui fait que nous sommes liés. C'est pas seulement le sentiment, on peut pas s'arrêter à ça, c'est impossible. Lorsqu'on va avoir une recherche envers l'autre, à ce moment-là seulement, on peut réussir à se lier. Et surtout de façon éternelle, c'est ça le but. Donc, si on est attaché tout le temps, au business, à la vie, aux problèmes, à l'école, etc., je dis pas que c'est pas bien, il faut. Qu'est-ce qui va se passer? On va s'attacher à quoi en fin de compte? Que à l'extérieur. Mais, en règle générale, les gens qui sont attachés que à leur business, que à l'école, que aux études, que aux soucis, que à leur plaisir personnel, ils ont peur de rester seuls. Ils ont peur de rester seuls. Qu'est-ce que ça veut dire peur de rester seul? Est-ce que vous pouvez rester à la maison sans rien faire, être assis et réfléchir? C'est très, très, très difficile. Très, très, très difficile. Est-ce que vous pouvez rester à la maison sans ouvrir un livre, sans ouvrir l'ordinateur, sans regarder votre téléphone? C'est presque impossible aujourd'hui. Regardez les jeunes aujourd'hui. Tout le temps sur leur smartphone. Et je parle de moi-même aussi, ne vous inquiétez pas. Je suis un accro, il n'y a rien à faire. Mais qu'est-ce qui se passe en vérité? On est complètement attaché, malheureusement. On a une connaissance extérieur et on n'a pas une connaissance de soi-même. Donc on a peur de rester seul. Par exemple, pourquoi le Tchoulen de Pnina est différent des autres? Parce qu'elle y met son cœur. Lorsqu'un jeune il rentre à la maison alors qu'il n'a pas vu ses parents pendant 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? La maman elle va tout lui donner. Vas-y, tu veux quoi? Tu veux tel repas? Vas-y, je te fais tel repas. Et il n'y a pas, on va aller acheter, c'est pas grave, on va courir, même dans la nuit, on va aller... Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, ce qui est extraordinaire, elle va faire exactement le même repas pour quelqu'un d'autre, mais les mêmes ingrédients, pile exact, ça n'a pas le même goût. Pourquoi? Parce qu'il y a un cœur dedans. Lorsqu'il y a un cœur dedans, tout est différent. Parce qu'il y a une recherche derrière qui a fait qu'il y a une différence. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui a mis à l'intérieur de ce repas cette différence? C'est cette connaissance de l'autre, cet attachement qu'on a à l'autre, qui va se répercuter dans toutes les actions que nous avons dans notre vie. Tout. Donc, comment est-ce que nous, on peut réussir à ne pas être attaché qu'à l'extérieur, mais réussir à se trouver intérieurement? Alors, premièrement, il faut savoir que dans la Torah, c'est la imuna, la foi, la croyance, c'est quelque chose de minimal. C'est pas ce que la Torah nous demande. La Torah nous demande
Veyadata et Hashem Elokecha. Tu dois connaître ton Dieu. Ushmartem vasitem otam. Tu dois garder, tu dois les faire. L'histoire de dire, moi je crois en Dieu et ça suffit, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que la Torah nous demande. La Torah nous dit, on doit connaître, on doit chercher et on doit faire. C'est seulement comme ça qu'on s'attache à Dieu. Seulement la foi, on n'est pas attaché. On a cette attache qui fait que comme on est juif, on a une âme juive, alors on est automatiquement attaché, ça c'est de toute façon. Mais vous savez très bien qu'il y a une différence entre quelqu'un qui va être attaché avec un chargeur de 9 volts et celui qui va être attaché avec, avec celui de la ville où il y a 20 000 volts. Il y a une différence ou pas? Bien sûr qu'il y a une différence. Donc si on veut recharger nos batteries avec 9 volts, ça va prendre 50 ans. Si on va être rechargé directement avec Dieu, ça prend une nuit. Donc c'est pour cela que lorsqu'on va dormir, notre âme, elle remonte là-haut, elle recharge les batteries parce qu'elle est plus proche. Et l'âme, elle est belle, elle est propre, elle est pure. Donc elle peut s'attacher avec Dieu, il n'y a aucun souci. Lorsqu'on revient dans le corps, tout de suite, elle est fermée. Donc la question qui est, c'est comment réussir à se trouver intérieurement. Et ça, c'est grâce à la méditation. Alors, regardez ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque Hachem nous dit que on doit s'attacher avec Dieu. Vatem advekim b'Hachem elokechem, chayim kulchem ayom. Lorsque vous allez être attaché avec Dieu, chayim kulchem ayom. Toute la journée sera un moment de vie. Et si on est séparé de Dieu, c'est pas la vie, c'est pas compliqué, hein, c'est l'inverse. Vous savez comment on dit quelqu'un qui est mécréant, cette traduction française, mais disons qui fait contre la volonté divine? Un rachat. D'accord? Le mot rachat, c'est les mêmes lettres que le mot ra'ash, le bruit. Pourquoi? Lorsqu'on est un tzaddik, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment, on fait un maximum, on a une majorité de bonnes actions, vraiment on est tout le temps en train de faire des bonnes actions, bon, on fait des bêtises, c'est normal, on est humain. Mais lorsque on essaye vraiment, on s'attache avec Dieu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est dvekim b'Hashem elokechem, on est attaché avec Dieu. Et donc, chayim kulchem ayom, on peut vivre avec notre journée, elle vit. Lorsque par contre, tout ce qui fait que notre vie elle est, c'est le bruit, c'est le film, c'est le truc, c'est derrière, c'est les boîtes, etc., etc. Toute notre vie elle est basée sur le bruit. Quand on rentre à la maison, la télé est allumée depuis 20 ans déjà, elle n'est toujours pas éteinte. Et c'est juste quand on achète une nouvelle qu'on l'éteint pour pouvoir mettre après l'autre, après on met play, puis elle reste allumée tout le temps, sauf Shabbat bien sûr, quand même. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On vit avec le bruit. Automatiquement, ce ra'ash nous fait rachat. Ça veut dire qu'on ne vit pas, on survit. Qu'est-ce qui peut faire montrer à une personne « j'arrive à vivre » C'est lorsqu'on arrive à faire du silence et s'attacher avec notre vrai véritable. Et qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Notre vrai véritable, c'est Vatem Advekim Vahachem. Lorsqu'on arrive à s'attacher avec Hachem, avec Dieu, alors on se retrouve vraiment. Mais avec le bruit, ce n'est pas possible. La même chose avec la mer, par exemple. La mer avec les poissons. Lorsqu'elle est propre, si vous allez à Marseille en faire un peu de pub, vous allez dans les calanques, c'est magnifique. Même si vous allez dans les autres endroits, je ne sais pas, mais en tout cas, quand la mer elle est bien propre, elle est bleue, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est magnifique, c'est joli, ça détend, c'est cool. Mais lorsque vous allez dans les canals de Bruxelles ou même à Lyon ou autre part, il n'y a rien, on ne voit rien, on ne voit rien, parce que ce n'est pas propre. Donc si on veut voir notre vrai véritable à l'intérieur de nous, c'est comme la mer. Si elle est propre, si elle est pure, alors on peut voir. Si elle est sale, on ne voit rien. C'est pas compliqué. Donc, comment on va faire alors pour pouvoir se retrouver? C'est pour cela qu'il y en a qui font de la plongée sous-marine. Et même que c'est sale, on peut voir à l'intérieur si on fait de la plongée sous-marine. Sauf que c'est très dangereux, il faut savoir faire. Il y a des techniques, ça peut être dangereux pour les oreilles. Donc, et puis il faut des instruments, c'est-à-dire que c'est pas comme ça qu'on peut faire. Donc la méditation, c'est la même chose. Quelqu'un qui va commencer à faire de la méditation sans avoir pris les précautions nécessaires avant pour savoir comment on fait, comment on va rentrer à l'intérieur de soi-même, savoir qui est à l'intérieur de soi-même, ne pas se tromper de chemin et savoir comment revenir, c'est très très dangereux. C'est pour cela que la première chose, c'est la mère qui nous donne la réponse. La mère, il y a un moment où même si elle est sale, il y a quelque chose qui nous aide. C'est quoi? C'est lorsque la mer elle bouge. Lorsqu'il y a des vagues,
Alors quand il n'y a pas beaucoup, donc entre la vague, on peut voir à l'intérieur. Lorsqu'on fait un peu de ménage de la boue qu'il y a à l'intérieur de nous, on pousse un petit peu, on fait bouger, parce que pour pouvoir tout enlever, c'est pas évident, c'est même presque impossible, on n'est que des humains, mais lorsqu'on bouge un petit peu, on enlève un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Alors on peut voir plus facilement ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, comment on va faire? S'il y a trop de bruit dans la mer, on n'arrive pas à se concentrer, on ne pourra pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a besoin de silence, on a besoin que la mer se calme. On a besoin de dire stop, stop au bruit extérieur. Lorsque la mer est calme, on peut prendre son temps, regarder, enlever ce qui n'est pas bon, et gentiment rentrer pour pouvoir aller voir à l'intérieur de nous. Ce silence, c'est la base de la réussite à la méditation. Pour l'instant, c'est simplement savoir comment méditer, on n'a pas encore allé jusqu'à la fin. Simplement savoir comment commencer. C'est d'abord le silence. Et le silence, en général, c'est très dangereux, les gens ont peur du silence. Par exemple, lorsqu'on est en Shidduch, la première fois quand on rencontre quelqu'un, le silence, on en a peur. C'est la pire, parce qu'on ne sait pas quoi dire. En général, quand il y a trop de silence, c'est qu'il y a un souci, parce que ça ne va pas, c'est pas automatique, il y a un problème. Ça peut arriver le silence, c'est pas dangereux non plus. Mais lorsque c'est la première fois qu'on se rencontre, on a peur, on connaît pas, etc. Donc, et ça va entre les amis aussi. Il y a un moment où on n'arrive plus à parler. Donc, le silence, on en a peur. En fin de compte, ce silence doit être un moment privilégié. Lorsqu'on est à la maison et qu'il y a du silence, ici il y a des enfants, sachez qu'il y a un problème. Parce que s'il y a des enfants qui font du silence, c'est que ça ne va pas du tout. Donc le silence, c'est privilégié pour les enfants. Ils en profitent. Ils savent comment utiliser le silence. Nous, on a oublié ça. Savoir faire le silence dans nous pour savoir quels sont nos potentiels, comment on peut utiliser toute notre force pour réussir à faire ce qu'on a envie. Pour cela, même dans le business, lorsque ça bouge, tant qu'on ne s'est pas arrêté, on a dit 2 secondes, on met un stop, on ferme, on fait un inventaire. On fait du silence, on ne veut personne dans le magasin et on vérifie où on en est. Est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché? Est-ce que cet habit est bon? Celui-là, il n'est pas bon? Est-ce que dans l'hôtel, il faut changer ci, il faut changer ça? Si on n'a pas fait un silence à un moment, on ne peut pas avancer. On a besoin de prendre du recul. Ce recul, c'est le Shabbat. C'est une fois par semaine, on sort du monde. On éteint les téléphones. On éteint la télé, on éteint l'ordinateur, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de Facebook, plus de Twitter, il n'y a plus tout ça. On éteint tout, on sort du monde et on vient à l'intérieur de nous-mêmes. Bon, c'est quoi l'intérieur de nous-mêmes? Chacun à son niveau. La première base de Shabbat, le minimum de Shabbat, se retrouver en famille, de manger ensemble, de discuter ensemble. Il n'y a pas de... les enfants partent l'après-midi. Non, on est ensemble, on joue ensemble, on peut jouer à un Monopoly, on peut faire un échec, on peut faire ci, on peut faire ça, on sort. Sans voiture, bien sûr, c'est Shabbat. On est dans le jardin, on discute, les amis viennent à la maison, on mange tous ensemble, on discute. On est bien, on est détente, on se retrouve. Lorsque on retrouve le lendemain, le dimanche matin, en plus, encore en Europe, c'est plus cool parce qu'on n'est pas encore dans le travail, donc... c'est plus light, on reprend gentiment le travail, mais lorsque lundi on est repris, on est dans le monde. Le problème c'est, est-ce que tout le Shabbat il est pour se reposer, pour repartir dans le monde, ou est-ce que la semaine elle est là pour pouvoir profiter de soi-même pendant Shabbat? La Torah nous dit, 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. C'est-à-dire que les 6 jours lorsqu'on va travailler, c'est pour pouvoir se retrouver au moins une fois dans la semaine. Mais réussir à ce niveau-là, c'est pas évident. Donc déjà, ne serait-ce que le Shabbat, réussir à se ressourcer pour pouvoir mieux travailler dans la semaine, c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon niveau. C'est pour cela que dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, il y a une phrase qui dit « Ezeur chacham, arouet anolad »« Mais seyag la chokma, shtika » Le plus bon conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui veut gagner la chokma, l'intelligence, c'est savoir se taire. Lorsqu'on sait faire du silence, on peut en magasiner des connaissances. Lorsqu'on ne sait pas se taire, pas de secret. Quand on parle, on n'écoute pas. D'accord, mesdames? Donc, lorsqu'on a appris à savoir se calmer, réfléchir, se mettre de côté, enregistrer, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Regardez ce qui se passe en Chine, par exemple. Tout ce qu'ils font, tout, c'est tout avec du bruit.
Les cadeaux les plus empoisonnés, c'est quand vous achetez un cadeau à un enfant qui vient de Chine, vous êtes sûr que vous mettez play, il y a du boucan partout dans la maison. Ça, c'est le pire à ne pas offrir. Ça, c'est... Et tout le temps, ça vit tout le temps, ça bouge tout le temps. Pourquoi ? Ils ont peur. Ils ont peur, parce que ils ont peur de s'asseoir et de réfléchir. Pourtant, c'était pas comme ça avant. La Chine, c'était Dafka, c'était un endroit qui savait s'asseoir, savoir réfléchir, avoir la méditation. Il y avait ça là-bas, mais maintenant, ils en ont peur. C'est dommage. Donc, lorsque on a compris que la bouche en hébreu, c'est P. Vous savez c'est quoi un P ? La lettre P en hébreu ? C'est un bête avec un yud au milieu. Tout simplement. Un bête avec un yud à l'envers, comme ça, qui rentre. Comme un 6, comme ça, à l'envers. Eh bien, en fait, c'est quoi ? C'est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps, il y a un yud. Il y a ce ani, ce yud. Le problème, c'est qu'on doit le trouver. Pour pouvoir le retrouver, en règle générale, ne serait-ce que laisser la bouche sans parler, laisser le bête avec le yud à l'intérieur, qui ne sort pas le yud, alors on peut réussir à se trouver. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va méditer sur une chose ? Imaginez, je médite sur ce verre en plastique, il est magnifique, il est rond, il est grand, il est petit, et toute la nuit on va méditer là-dessus. On va rien penser à tout ce qu'il y a autour de nous. Combien de temps on va tenir ? Ça dépend de chacun. Demandez à un moine bouddhiste, il peut rester pendant des jours comme ça. Il prend une bière, elle est ronde, elle est carrée, elle est mignonne, elle est rouge, elle est verte, magnifique. Il reste des mois, il médite là-dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Il est séparé du monde. C'est une force extraordinaire, savoir se séparer du monde. Le problème, encore une fois, comme je vous ai dit avant, c'est que pendant le moment où il médite, il est heureux. Il est super, il est heureux, il kiffe. Parce qu'il n'y a rien du monde qui ne peut le toucher. Malheureusement, lorsqu'il va sortir du monde, la pierre n'a pas changé, le monde n'a pas changé, et lui n'a pas changé. Donc tout ce qu'il a réussi à faire, c'est savoir qu'il y a une existence qui fait qu'il peut être heureux. Et il va la rechercher toute sa vie. Toute sa vie, il va chercher un autre objet, à savoir méditer, pour pouvoir retourner à l'intérieur de lui-même. Mais en fin de compte, est-ce qu'il est heureux ? Ben non. Parce que c'est pas ça être heureux. Être heureux, c'est pas être coincé dans soi-même. Et sinon, regarde, aller dans un asile psychiatrique. Là-bas, vous êtes tout seul, tranquille, personne ne vous embête. Pas de stress. La même chose lorsqu'on est marié. Si on est tout seul, regarde, vous pouvez penser que quand on est célibataire, c'est la vie, c'est cool, c'est magnifique. Oui et non, je sais pas. Mais en tout cas, lorsqu'on est marié, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des choses à gérer, il y a sa femme, il y a son mari, il y a les enfants. Et pourtant, c'est à ce moment-là vraiment qu'on est heureux. Quand on rentre à la maison, on sait pourquoi. Lorsqu'on est célibataire, quand on rentre à la maison, on ne sait pas pourquoi. Mais on kiffe, on sort, il y a du bruit. Et lorsqu'il n'y a pas de bruit, là, c'est cata. Là, c'est dur. Ça, c'est le moment le plus dur pour un célibataire. Lorsqu'il est tout seul à la maison, c'est une catastrophe. Alors, il va chercher à s'occuper. C'est pour ça qu'il sort tout le temps, c'est pour ça qu'il est tout le temps en train de faire des choses. Parce qu'on a peur du silence. Lorsqu'on a plus peur du silence parce qu'on veut affronter ses problèmes. On va et on prend la décision de se marier. Et puis on prend la décision d'avoir des enfants. Et puis on prend la décision de s'en occuper. C'est pas la même encore. Et puis on prend la décision pas seulement de s'en occuper mais de se sacrifier pour eux. De savoir qu'il y a des moments où on va pas pouvoir ni dormir, ni manger, et etc. etc. Et que des fois on pourra pas voir ni sa femme ni son mari pendant un long moment parce qu'il faut pouvoir truc, etc. etc. C'est pas du tout évident. Et pourtant, c'est ça qui nous rend heureux. C'est ça qui fait qu'on a une raison de vivre. Mais est-ce que, même avec ça, est-ce qu'on peut s'arrêter à ça ? Non, on ne peut pas s'arrêter à ça. Il y a une histoire que c'est assez connu, mais que Laura Fanger aime bien raconter. C'est l'histoire d'un roi qui reçoit trois de ses meilleurs guerriers qui ont fait la guerre. Et il veut les remercier. Alors il leur dit, écoutez, pour vous remercier, je vous ai gardé un terrain extraordinaire. Les trois, vous avez un terrain, je vous ai gardé. Il est magnifique. Les plus beaux vergers peuvent pousser là-dedans. C'est le meilleur terrain de tout le pays. Et avec ça, vous serez tranquille jusqu'à la fin de votre vie. Mais avant ça, je vais vous mettre chacun dans une salle, dans une chambre. Magnifique chambre. Vous allez avoir tout ce que vous voulez. C'est 5 étoiles, hein, vraiment comme il faut.
Mais vous ne pourrez pas sortir de cette chambre pendant un mois. Vous serez tout seul. Je vous donnerai à manger, tout ce que vous voulez, vous l'avez, mais vous serez tout seul. Je vous demanderai seulement une seule chose. C'est que pendant un mois, il y a un seau d'eau qui est là-bas avec un robinet. Vous prendrez ce seau d'eau et toutes les 2-3 heures, vous allez vider ce seau d'eau dans le trou qui est juste à côté, dans le mur en face. Donc il faudra faire toutes les 2 heures, prendre un seau d'eau et mettre là-bas. Le premier, il rentre et dit « Bon, le roi il m'a dit de faire, je fais, on verra bien. » Et puis au bout de 5-6 jours, il commence à se fatiguer. Il dit « Qu'est-ce que je vais me galérer à mettre de l'eau là-bas? En plus, si j'imagine, c'est pour donner de l'eau à mon voisin. Qu'est-ce que je vais m'embêter? J'ai tout de façon. J'ai de l'eau, j'ai de la nourriture, j'ai la télé, j'ai tout. Qu'est-ce que je vais me prendre en tête? Après toute cette galère qu'on a bossé, qu'on a travaillé, qu'on a fait la guerre, qu'on a failli mourir et qu'on a réussi à gagner en fin de compte, tout ce qu'il nous donne, c'est un hôtel 5 étoiles pendant un mois, après on sera tranquille. Bon, tu sais quoi? Je vais profiter. Oublie l'eau, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a personne qui me voit. Il n'y a pas de caméra. Je vais profiter, je vais demander tout ce que je veux pendant un mois et kiffe. Bon. Le deuxième, il rentre. Il dit bon, la même chose, il commence, il met de l'eau, etc. Puis au bout d'un moment, il se fatigue. Alors il dit bon, le roi, il m'a quand même demandé, je vais quand même le faire de temps en temps. Peut-être pas toutes les heures, mais je vais le faire de temps en temps. Alors une fois par jour, 2 fois par jour, il prend, il met, le reste, il profite. Et le troisième, il dit, moi je ne sais pas ce que le roi il me veut. S'il m'a mis à l'intérieur de cette salle, c'est pour une raison. S'il m'a demandé de prendre de l'eau et de le mettre là-bas, c'est pour mon bien. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais le roi, j'ai confiance en lui. S'il me dit de le faire, c'est qu'il y a une raison. Donc qu'est-ce qu'il fait? Toutes les 2 heures, pendant un mois, sans arrêt, toutes les 2 heures, il amène de l'eau. Lorsque les 3 ils sortent, le roi il leur dit, bravo, vous avez tenu le test pendant un mois, tout va bien, est-ce que tout va bien? Magnifique, super. Maintenant je vais vous montrer votre verger. Il amène le premier, il lui montre un verger, tout vide, il n'y a rien. Il dit, ah merci beaucoup mon roi, c'est vraiment très gentil, maintenant je vais pouvoir commencer à planter, à semer, etc. C'est vraiment très gentil, il dit, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Le deuxième, il lui montre, il y a déjà un début d'arbre, mais il n'y a pas encore de fruits. Il dit, attends, je ne comprends pas, pourquoi lui il a des arbres, moi j'en ai pas. Il dit, attends, viens, je te montre le troisième. Et le troisième, il y a des fruits partout, il y en a, ça tombe et tout, c'est magnifique. Il dit, mais pourquoi lui, il mérite plus que moi? Il dit, mais c'est vous-même. Je vous ai mis dans une salle qui était attachée à votre verger. Chaque fois que vous alliez mettre de l'eau, ça abreuvait votre verger. Lorsque vous avez mis de l'eau, vous avez gagné pour vous. Lorsque vous n'avez pas mis l'eau, ben, votre verger n'a pas poussé. Tout simple. En français, on dit, on récolte ce qu'on sème. Exactement. Sauf que malheureusement, lorsqu'on est dans une salle et qu'on est tout seul, eh bien, on peut ne pas avoir confiance à celui qui nous dit « Lorsque tu vas semer, tu vas récolter. » On peut se dire « Non, qu'est-ce que j'ai profité maintenant, je vais kiffer, qu'est-ce qu'on m'embête ? On est bien ici, on est à 5 étoiles. On est bien, qu'est-ce qu'on va commencer à se galérer à aller mettre de l'eau toutes les 2 heures ? Ça ne sert à rien. » Mais lorsqu'on va sortir de cette salle, à ce moment-là, on va nous montrer plein de vergers, on va nous dire, tu vois, celui-là, là, c'est le tien. Ah, pourquoi lui, il a ça? Ah ouais, mais rappelle-toi, je t'avais demandé de mettre un seau d'eau. Donc, à quel moment on peut savoir comment on fait pour prendre ce seau d'eau et le mettre dans le verger? C'est tout simple, tout simple. Hachem, il nous a dit, regarde, ton âme, elle est magnifique, elle est pure, elle est belle, elle est superbe. Je t'ai réservé une place dans le monde futur magnifique. Par contre, sache qu'il faut mettre de l'eau. Comment on fait pour mettre de l'eau? Je vais te mettre juste à côté de ce Gan Eden, de ce paradis. À chaque fois que tu vas faire une bonne action, tu mets de l'eau là-bas. Plus tu vas faire de bonnes actions, plus tu vas faire que ton verger va grandir. Maintenant, si tu veux plutôt profiter de ce monde, il n'y a pas de problème. Moi, je te donnerai tout. Tu auras de quoi manger, tu auras de quoi vivre, tu auras une belle maison, tu auras tout ce que tu veux. Mais c'est pour toi. Si tu veux, tu fais. Tu veux pas, c'est ton problème. Parce qu'après, lorsqu'on va arriver à la récompense, à toi de voir. À toi de voir ce que tu veux recevoir. Donc, la vraie méditation, c'est réussir à trouver la vérité de soi-même. Vous savez quels sont les 4 rabbis qui ont réussi au plus haut niveau de la méditation? Sûrement, vous avez déjà entendu parler de 2. Il y en a un qui s'appelle Rabbi Akiva. Tout le monde a entendu parler de lui. Il y en a un autre qui s'appelle Rabbi Elisha ben Abouya, qu'on appelle aussi Achel. Il y en a 2 autres, qu'on ne parle pas beaucoup,
quand on raconte l'histoire, on n'en parle pas énormément. Parce que dans la méditation, il y a le plus haut niveau de Kabbale, où on arrive dans le plus grand secret de la Torah. Et là, on peut se trouver soi-même dans, de tous les niveaux. On arrive à comprendre l'âme. C'est comme si je vous dis, vous arrivez à comprendre l'ADN et à pouvoir le changer à votre bon vouloir. Ce serait magnifique. Donc, ils font des recherches pour l'instant, ils se débrouillent pas mal, les scientifiques. Mais imaginez que par votre seule pensée, vous pouvez créer un monde et détruire un monde. Ce serait extraordinaire. Alors, les kabbalistes, ils ont réussi, avec même les plus simples, entre guillemets, livres de Kabbale. Par exemple, le Maharal de Prague a créé un golem grâce au livre de Yetzirah, Sefer Yetzirah, que Adam Harishon a écrit. Il y a d'autres qui pouvaient se déplacer, se transporter sans problème grâce à la Kabbale, grâce au Zohar. Mais il y en a quatre qui ont réussi à arriver à un niveau de Kabbale tellement haut qu'ils sont rentrés dans le Pardès. Le Pardès, c'est un jardin, le mot Pardès ça veut dire jardin, c'est un jardin spirituel que lorsqu'on arrive à rentrer, notre âme réussit à rentrer à l'intérieur, on a toutes les connaissances de la création du monde, toutes. Tout. Mais pas seulement de la connaissance de la création du monde physique, de tous les mondes qui existent. Il y en a un qui, quand il est rentré, il est sorti, il est devenu fou. C'était trop pour lui. Beaucoup trop. Il y en a un deuxième, malheureusement, il n'est pas ressorti vivant. Il y en a un troisième, Rabbi Elisha ben Avruya, lorsqu'il est ressorti, il a tout lâché. Il a lâché le judaïsme complètement. C'était trop pour lui. C'était pas possible. C'est dur à comprendre, parce que là, on ne parle pas d'une personne qui ne connaît pas, on parle de quelqu'un qui connaissait la Torah sur le bout des doigts, qui pouvait la réciter, il n'avait jamais fauté de sa vie, on parle d'un tzaddik. Hein. C'est une légende ou c'est... Non, c'est véridique. Ah, pardon. Et jusqu'au moment où tellement c'était trop haut pour lui, il y avait trop de connaissances, c'était trop fort pour lui, qu'il a carrément tout lâché. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit « Tout le monde pourra faire teshuva dans sa vie. Tout le monde, sauf lui. » Ça fait peur quand même. Son élève, c'était Rabbi Meir Balanes. À mon avis, vous avez déjà entendu parler de lui. Rabbi Meir Balanes, il est resté à côté de son maître jusqu'à la fin de sa vie. Il a réussi à apprendre de lui que le bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il essayait de changer quelque chose en disant « Voilà, c'est comme ça que la Torah le dit, mais moi j'y crois plus. » Il prenait que ce que la Torah avait dit. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. À la fin de sa vie, juste avant de mourir, Rabbi Elisha ben Avruya dit à son élève, « Merci de m'avoir accompagné jusque-là. Mais malheureusement, j'aurais bien voulu demander pardon maintenant, parce qu'avec l'expérience de la vie maintenant, je comprends mon erreur. Mais Dieu ne va pas m'accepter, puisqu'une voix du ciel est sortie, que c'est pas possible. » Et Rabbi Meir Balanes, il lui a dit, « Sache, que la teshuvah est tellement forte que même toi tu peux réussir. » Il dit, mais Dieu m'a dit lui-même qu'il ne veut pas. Il dit, fais et tu verras qu'il t'acceptera. Et il a demandé pardon juste avant de faire son dernier saut. Et Hachem l'a accepté. Une voix est sortie du ciel pour dire qu'il a été accepté. Vous imaginez ce que ça veut dire la force de la teshuvah? C'est énorme. Maintenant on va parler du quatrième. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était rentré dans un niveau de méditation tellement fort, tellement haut, que sur lui on dit « Nichnas b'shalom, yatsa b'shalom ». Il est rentré en paix et il est sorti en paix. Pourquoi il est sorti en paix? Parce qu'il est rentré en paix. À quel moment Rabbi Akiva a été sauvé de ne pas ni être fou, ni mourir, ni changer d'attitude en étant rentré dans cette méditation si fort? Parce qu'il est rentré en paix. En lui-même, il savait qui il était, il savait quel était son potentiel, quelle était sa limite. Ce qui fait que lorsqu'il est arrivé là-bas, il a pris que ce qu'il ne pouvait et pas plus. Ce qui fait que lorsqu'il est ressorti, il est sorti en paix. Donc, lorsqu'on va essayer de se dire, voilà, j'ai envie de sortir un petit peu du monde pour me ressourcer. C'est super, c'est très bien. Mais il faut savoir où sont les limites aussi. Quelles sont les limites? C'est très simple. À partir du moment où on sait que dans la méditation, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau idolâtre, il y a le niveau simple, qui peut être très médical et qui peut être très bon, et il y a le niveau de la Torah. Le niveau idolâtre, c'est interdit. Bouddhiste, etc., c'est interdit. Lorsqu'on veut faire ça pour guérir, pour se sentir mieux, c'est très bien. Malheureusement,
ça reste une méditation qui est que d'un côté. Parce qu'on se sent bien pendant un moment, puis après, quand on revient, rien n'a changé. C'est comme quand on lit un livre, quand on regarde un film, etc. Même qu'on va voir un match de foot, par exemple, on s'éclate pendant un moment, quand on sort, c'est fini. Les problèmes sont toujours là. Et il y a celui de la Torah. Alors, lorsque on va réussir à comprendre qui on est soi-même, à ce moment-là, on pourra réussir à faire le troisième niveau. Vous savez très bien que lorsque on fait un sourire à quelqu'un, on dit bonjour, comment ça va, etc., on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, parce qu'on ne peut pas voir la pensée de l'autre. Mais il y a quand même un sentiment qui se ressent. Il y a quand même un sentiment qui se ressent si c'est vrai ou c'est pas vrai. En règle générale, on arrive à sentir ça. Plus les femmes ont plus le sentiment de vérité que les hommes. Et les enfants encore plus. Un enfant, on ne pouvait pas lui mentir. Il n'y a rien à faire. Ce sentiment-là, c'est le véritable soi-même de l'autre. Réussir à avoir le même sentiment sur soi-même. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie. Parce qu'on se connaît, on n'a pas envie de savoir qui on est vraiment. On n'a pas envie. Parce que comme on se connaît, on ne veut pas se dire qu'on n'est pas au top. Parce qu'on n'a pas envie de changer non plus. Qui a envie de changer vraiment? Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle. Hein. On va croire qu'il n'y a personne au cours. Donc, lorsque on va commencer à avoir cette réflexion, ce sentiment de réussir à se trouver soi-même, de vouloir d'abord, de vouloir se retrouver soi-même, c'est pour ça que je vous ai dit au tout début, vouloir commencer la méditation, c'est déjà un très très grand pas. Très très grand pas. Parce que c'est se dire, je sais que je vais aller me trouver, savoir qui je suis. Parce que très souvent dans la vie, on se ment à soi-même. C'est classique, parce que sinon on pourrait même pas vivre. Parce qu'on a fait des bonnes choses dans sa vie, on a fait de temps en temps des bêtises dans sa vie, donc on se ment à soi-même pour pouvoir avancer. Mais il y a au bout d'un moment, si on fait que s'en mentir à soi-même, on ne vit pas, on fait que survivre. Et c'est pour cela qu'il n'y a que l'extérieur qui nous aide à vivre. On a besoin d'un livre, on a besoin d'un film, on a besoin de ça, parce que sinon on ne peut pas vivre, on a peur de soi-même, on a peur de se sentir seul. Lorsque par contre on va prendre la volonté, on va se dire oui, je vais prendre sur moi maintenant de méditer, savoir où j'en suis. Eh bien, sachez que c'est un des plus grands pas que la Torah nous dit, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Sache que si tu vas commencer à réfléchir à ça, réfléchir à qui tu es vraiment, tu pourras pas seulement avancer, mais réussir à vivre d'une façon tout à fait autrement. Comment c'est possible qu'avec tous les soucis qu'il peut y avoir, il y a des gens qui vont dire « Ah, ça va, bon Hachem, on va en avance. » Alors qu'un autre va avoir le même souci, il va en faire un plat, il va monter, il va... Et ça se peut que la même personne, que tout allait bien, il va perdre son stylo, il va faire un... c'est une tuerie pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où on arrive à mettre de côté son soi-même et à se dire... Le monde est géré par Dieu. Il n'y a pas que nous sur Terre. Si ça s'est fait comme ça, il y a une raison. Et il y a des moments où on n'arrive pas. Pour plusieurs raisons. On est fatigué, on n'a pas la force de réfléchir. De temps en temps, on a besoin de se lâcher, de râler un petit peu. De temps en temps, obligé. Hein. Et en général, c'est qui ramasse? Ou l'un ou l'autre. Hein. Obligé, de temps en temps, il y a besoin de se lâcher. Donc, lorsque on a pris sur soi, et on a compris, on a vraiment compris, qu'on a des responsabilités, pas seulement envers les autres, mais envers soi-même de temps en temps. Alors on peut se dire, voilà, je vais commencer la méditation, je vais commencer à méditer. Alors comment on fait maintenant pour méditer? Alors, imaginez que je vous dis, il y a deux personnes qui sont dans la rue, d'accord? Il y en a un, c'est un policier, et l'autre, c'est un brigand. Les deux sont attachés avec des menottes, mais les deux sont habillés en civil. Comment vous pouvez savoir qui est le policier, qui est le brigand? Les deux, ils marchent de la même façon, bien, droit. De l'extérieur, on ne voit pas la différence. Comment, quelle est la question, la première question qu'on pourrait poser pour savoir? La réponse, elle est simple. Qui a la clé? Celui qui a la clé, c'est le policier? On n'est pas dans un James Bond où c'est le brigand qui a la clé. Hein. Celui qui a la clé, c'est lui qui gère l'autre.
on est enfermé de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que c'est tout simple. On est une personne qui est enfermée dans le corps. Le corps, c'est un outil pour pouvoir avancer, pour pouvoir vivre. Et on a déjà expliqué pourquoi c'est impossible de dire que nous sommes le corps. Parce que si vous allez dormir, sans dormir, vous vous allongez sur le lit sans bouger, toute la nuit, sans bouger. Le corps était fatigué après la journée, mais vous ne dormez pas. Est-ce que le corps sera reposé à la fin de la nuit ? Non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le corps qui est fatigué. Des fois, le corps peut avoir mal, il a besoin de massage, il a besoin de médicaments, etc. Mais la fatigue, ce n'est pas le corps. C'est soi-même, son âme, sa personne. Ce qui fait que lorsqu'on va monter en dormant, l'âme monte là-haut, elle recharge les batteries. Et lorsqu'elle redescend, elle est repartie pour un tour. Son soi-même, nous-mêmes, on a besoin de savoir qui a la clé. Est-ce que nous avons la clé de notre corps ou c'est le corps qui a la clé sur nous-mêmes ? Alors malheureusement, et très généralement, et je parle même surtout sur moi-même, c'est le corps qui a la clé. Parce que le corps a des envies. Il a faim, il a soif, il a envie de ci, il a envie de ça, il a envie de se reposer, il a envie de voir un film, il a envie de voir un livre, nanana, il a envie d'aller voir un match de foot, etc. On ne va pas dans les détails, chacun avec ses galères. Et il ferme l'âme en lui disant, qu'est-ce que tu m'embêtes avec ta Torah, avec tes mitzvot là ? J'ai envie de ça, je fais. Donc c'est qui est le prisonnier ici ? Nous sommes prisonniers de notre corps. Comment faire pour sortir de ce problème ? Alors, Hachem, il nous dit, sache que 3 fois par jour, je te donne la possibilité de sortir de ton corps, de venir à côté de moi, de prendre des forces pour pouvoir dire à ton corps, sache que c'est moi qui ai la clé. Tu fais semblant d'avoir la clé, mais c'est moi qui ai la clé. Comment on fait ça ? Tout simple. Le soir, avant de dormir, on va faire une prière, on va aller parler avec Hachem. Il dit, sache que toute la journée, j'étais là. Et voici ce que j'ai fait, et voici ce que j'aurai besoin. Et après, on va faire Shema Israël, et on va aller dormir avec une pensée en sachant que toute la nuit, elle ne va pas être là seulement pour se reposer, mais pour avoir des forces pour le lendemain. Et lorsqu'on se lève le matin, on dit merci que tu m'as rendu mon âme. Et on continue en disant on va faire Shacharit. Et puis après, on remédite encore une fois dans Mincha, au milieu, en plein milieu du boulot, on dit stop. On s'arrête en plein milieu du travail. Et on réfléchit, on se dit où on en est, pourquoi on est dans le travail maintenant ? Est-ce que ça sert à quelque chose qu'on est au travail ? Est-ce que ça sert à quelque chose tout ça ? Ou est-ce qu'il y a une raison pourquoi on travaille ? C'est pour pouvoir après rentrer à la maison, s'occuper des enfants ? Est-ce que c'est ça le but ? Est-ce qu'il y a peut-être autre chose ? Est-ce que je pourrais prendre 5 minutes pour raconter une histoire à mes enfants ? Donc, toutes ces choses, c'est la force de la tefila, c'est donc cette méditation. Comment ? Dans la tefila, ça marche. Pour pouvoir réussir à monter de niveau dans la méditation, pour se retrouver soi-même. Eh bien, en fait, le kaddish, lorsqu'on fait le kaddish, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a fait le cours sur la prière, il y a plusieurs kaddish dans la prière du matin. Chaque kaddish nous fait monter d'un niveau dans les mondes supérieurs. Lorsqu'on arrive à la Amida, on est dans le plus haut niveau, celui de Hatzilut. On est vraiment avec Dieu. Et après, on redescend avec les louanges. Donc, il y a les louanges avec un kaddish, etc. On monte. Seulement à la Amida, on est vraiment avec Dieu. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on demande tout ce qu'il faut. Après, quand on revient, hein, on redescend gentiment. C'est pour cela que lorsque quelqu'un va faire que la Amida, c'est pas évident de monter de 4 niveaux d'un coup. C'est pour cela que c'est aussi plus facile de venir avec un minyan, parce qu'il y a le kaddish qui nous aide à monter. Pour cela que faire la prière, c'est très bien de mettre les tefillin avec le Shema Israël. C'est une première étape. Mais tout ce qu'il y a après, chaque chose est une étape pour pouvoir arriver au but. Et c'est pour cela aussi qu'il y a, alors Steve va nous aider avec ça, il y a dans les chansons, il y a aussi une très grande force de méditation. Avec une chanson, on peut aller dans un autre monde. C'est d'accord ? Alors il y a plusieurs sortes de chansons. Il y a des chansons Besimcha, qu'on va chanter à Simchat Torah, qui va nous aider en plus à gérer comme tous les ans, Bezrat Hashem. Et à ce moment-là, on est dans la ferveur et on est content, on est bien, on chante, on danse. Est-ce qu'on est différent après avoir chanté et dansé ? Souvent, oui, mais on ne se rend pas compte. Pourquoi ? Parce qu'on a bougé toute la boue qu'il y a autour de nous. Donc ça a fait quelque chose. Le problème, c'est est-ce que la boue après va revenir doucement et qu'on la laisse faire ? On dit, attends, maintenant que j'ai enlevé tout ça, peut-être on met une barrière, peut-être on fait quelque chose, peut-être on met un filtre. Maintenant que tout est enlevé. Le problème, ce qui est souvent embêtant, c'est qu'on laisse repartir les choses.
Mais il y a aussi des nigonim qui sont plus fortes. Des nigonim de calme. Lorsqu'on prend 5 minutes et qu'on commence à chanter, essayez, et prenez, même dans les écouteurs comme ça, fermez les yeux et écoutez un nigun de chassidique qui vient de la Kabbale, c'est des sources très fortes. Fermez les yeux, méditez sur le nigun, vous allez sortir tout à fait différent. Pourquoi ? Parce que ça nous prend de l'intérieur. Et pas seulement ça pousse, c'est une lumière qui crame tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tout est enlevé. Malheureusement, ça peut revenir. Mais la force que ça fait, c'est tellement fort, cette méditation qu'on peut faire en écoutant un nigun, c'est énorme. C'est pour cela qu'il y a toujours l'habitude, lorsque c'est Shabbat après-midi, de s'asseoir et de faire un seder nigunim. Ce qu'on appelle, c'est on s'assoit entre amis et on chante ces nigunim-là. Et il y a des étapes. Quel nigun on fait, à quel moment. Et c'est pour cela que ce soit chez les Sépharades, chez les Chabad, chez Ashkenaz, etc. Tout le Shabbat, il y a toujours des chansons à chanter. Ça peut être Kiyashmelat Shabbat pour les Sef, ça peut être pour les Ashkenaz, je suis moins bon, il y en a aussi. Et lorsqu'on chante, on arrive à une transe, entre guillemets, qui fait que ça nous change, ça nous fait du bien, ça nous pousse, ça nous booste. Eh bien, si vous voulez savoir comment faire pour méditer, comme la Torah nous le dit, pas seulement pour méditer, pour sortir du monde, mais pour voir se changer, que lorsqu'on va sortir de cette transe, le monde peut-être n'aura pas changé, mais notre vue du monde aura changé. Le monde ne va pas changer, mais notre vue du monde pourra changer. C'est ça le plus important. Comment faire ça? Lorsqu'on va faire la tefila. Parce que imaginez, vous êtes juste avant le boulot, on vous appelle, il y a un gros problème au magasin. Ok, je ne sais pas comment faire, je suis déconcentré, je n'arrive pas à faire la tefila, je n'arrive pas à prier Dieu, qu'est-ce que Dieu m'embête maintenant, là je dois en faire... Attends, tu sais quoi, deux secondes. Faire Shema Israël, j'ai pensé à lui. Shem Elokeinu Hashem Echad, Hashem il est un, il est dans les sept cieux de la terre, il est dans les quatre points cardinaux, c'est lui qui s'occupe du monde. Ah, ça fait du bien. Bon, il y a un problème au boulot, attends. Je viens de penser, je viens de réfléchir, je viens de comprendre, je viens de ressentir que Hachem, il est avec moi. C'est lui qui gère le monde. Il y a un problème. Ok, ça aide. Déjà, on se déstresse. Maintenant qu'on est à l'extérieur du problème, ce sera beaucoup plus facile à le gérer. Donc, lorsqu'on prend 5 minutes de sa matinée pour faire la tefila, ça peut être même que le schéma Israël, mais le faire avec 30 secondes de méditation. Le monde est vu différemment. Alors, imaginez si vous prenez 3 fois par jour, comment est-ce que vous allez vivre? Pourquoi à Kippour on fait toutes ces prières? Parce qu'il faut méditer. Il faut méditer pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'on a fait dans l'année, est-ce qu'on demande pardon, etc., etc. C'est ça. Pourquoi on jeûne? Pour ne pas avoir ce que la nourriture vient nous attraper. Pourtant, on a faim. On peut prendre une cigarette pour ceux qui fument. On peut ouvrir la Facebook qui nous attend. Attends. Non, tout est fermé. Lorsque pendant toute la tefila, on est debout et on bouge, en plus. En général, la méditation, c'est sans bouger. Pourtant, dans la Amida, on bouge, on est là. C'est tout un fait inverse. Parce que le but de la méditation juive n'est pas pour être sorti du monde, mais pour pouvoir avoir une vision différente du monde. Donc, lorsqu'on va bouger, on est dans la tefila, on a la ferveur, on réfléchit, on est avec Dieu, etc. Lorsque on va réussir à faire ça, on aura tout gagné. Malheureusement, ça ne se fait pas automatiquement. La preuve, c'est qu'on peut très bien avoir une super ferveur dans la prière. Vous pouvez voir des gens avec comme ça, ils sont à fond et tout. Ils sont sortis, c'est fini. Comme s'ils n'étaient jamais venus. Comment c'est possible? Alors, il y a plusieurs réponses. Ou parce qu'il y en a vraiment trop à enlever, là, c'est plus galère. Ou alors, ça n'a pas été fait avec cœur. Ça a été fait juste, ils ont bougé parce que tout le monde bouge, alors ils ont bougé. Ou parce qu'ils étaient dans un autre monde. Vous savez comment c'est quand on fait la tefila? On est en train de faire la Amida, et puis on pense à la pizzeria, et puis on pense à ici, et puis on pense à ce qu'on a fait hier, et puis il y a notre business qui nous attend dans 5 minutes, il y a notre taxi qui nous attend, il faut faire vite, on doit foncer à l'école, il y a des enfants qui sont là, et on ne peut pas, il faut... Le problème, très souvent, c'est que lorsqu'on fait la tefila, on pense à autre chose. Donc on n'est pas en train de méditer sur la tefila, on est en train de méditer sur autre chose. Donc on reste attaché à l'extérieur. Et la force de Shabbat, c'est d'éteindre l'extérieur. Et on ne sait pas faire ça de soi-même. Impossible, cherchez pas, vous n'y arriverez pas. Regardez, votre femme vous dit tout le temps d'éteindre les téléphones, vous y arrivez? Non.
Donc, Shabbat, on est obligé. C'est comme ça, Hachem, il sait très bien qu'on ne sait pas faire. On n'a pas ce potentiel, on sait, on ne peut pas. On n'est que des humains. Donc Hachem, il nous dit, sache, une fois par semaine, t'éteins. Il n'y a pas, cherche pas. Et pourquoi quand on fait Shabbat, on vit tout à fait différemment, on est mieux, on se sent mieux, on vit mieux? Parce qu'on s'est détaché de l'extérieur, tout simplement. Tout simplement. Réussir à méditer là-dessus, c'est ça qui nous fait gagner. Ne serait-ce que même profiter d'un bon repas. On va finir avec ça. Profiter d'un bon repas. Imaginez, votre femme vous a fait un super bon repas, ou même votre homme vous a fait un bon repas, bien cramé, et vous êtes devant là. Non, bon, ça va, je crame pas tout, presque. L'assiette est devant nous. On a faim, on mange vite. Ah, c'était bon. Est-ce qu'on a kiffé? On a kiffé pendant combien de temps? 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Imaginez que vous êtes là. Waouh, merci beaucoup. Viens, on s'assoit, on discute, et puis on prend et on goûte. Magnifique. On prend encore un. Extraordinaire. C'est tout à fait différent. Qu'est-ce qu'on a fait? Réfléchissez, qu'est-ce qu'on a fait? On a médité sur le repas. Donc, on en a profité. Si vous voulez profiter de la vie, il faut méditer sur votre vie, tout simplement. Si vous voulez profiter de chaque instant de votre vie, méditez à pourquoi vous le vivez. Tout simplement. Mais le problème, c'est qu'on a peur de ça. On a très très peur de se poser la question, pourquoi à cette seconde je fais telle chose, pourquoi je ne serai pas autre part? On a peur, parce qu'on connaît la réponse très souvent. Donc là, il n'y a pas de problème, on est là, on est bien. Mais quand on est à la maison, on est autre part, etc., on se pose... De temps en temps, il y a une petite étincelle qui vient dire, qu'est-ce qu'on fout ici? Laisse tomber, on est entre copains, laisse tomber, on verra plus tard. Demain, il fera jour. Donc lorsque... Lorsqu'on aura compris ça, on aura tout gagné. Mais, il y a une histoire extraordinaire. Il y avait une fois un président de la République français. C'est une histoire, hein, c'est pas vrai. Hein. Il dit à 100 personnes, j'ai un très 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 beau cadeau à vous donner. 3 milliards d'euros. Est-ce que ça vous dit? Ils sont à fond et tout. Je dis, écoutez, vous voyez le building ici? Il y a 100 étages. Vous avez exactement une heure pour pouvoir réussir à monter là-haut. En escalier, bien sûr. Lorsque le premier qui arrive là-haut, c'est lui qui gagne tout. Ok? Ils sont chauds, ils sont à fond. Et ils commencent, ils courent. Ils sont au 40e étage, ils regardent la montre. Tout le monde est là encore. Hein? 40 étages. 40 minutes, 40 étages. Alors, il y a déjà la moitié qui dit, mais attends, si on fait le compte, il nous reste encore 60 étages, on n'y arrivera jamais. On a une heure maximum. Bon, la moitié qui part, l'autre continue. Ils arrivent à l'étage 50, ils regardent, 50 minutes. Il ne reste plus grand monde déjà, il reste une dizaine de personnes. Ils arrivent aux 60, ils sont là, ils disent, c'est fini, il reste... 3 minutes, ils ont fait au plus vite, il reste 3 minutes, mais dans 3 minutes, on n'arrivera jamais au 100e étage, c'est impossible. Il reste 2 personnes, 2 forts, vraiment costauds et tout, disons, on continue. Ils font encore un étage, ils regardent la montre, allez, 59. Il y en a un des deux, il dit, laisse tomber, je vais me galérer à monter pour rien. Et il part. Et l'autre, il dit non. Il continue. Il monte encore un étage, qu'est-ce qu'il voit? Un ascenseur. Il rentre dedans, il est arrivé au 100e. Il arrive là-bas et le président, il dit, une seconde, je ne comprends pas. Pourquoi tu es le seul à être monté au 100e? Pourquoi? Tout le monde aurait pu réussir. Il dit parce que je suis le seul qui vous ai fait confiance. Si vous m'avez dit que je peux arriver au 100e, c'est que je peux. Sinon, vous ne m'aurez pas dit. C'est comme ça qu'il a gagné. On sait qu'Hachem nous dit, vous pouvez réussir à vous trouver vous-même. Vous pouvez vivre dans ce monde avec la Torah et les mitzvot. Vous pouvez. Vous pouvez réussir à tout avoir dans la vie si vous faites ce que Hachem vous demande. Ah, c'est contre la logique du monde. Ça va? Ok? Et alors? Où on fait confiance? Et si on fait confiance, alors on va à fond. Et il y aura un ascenseur à un moment qui va nous faire arriver. Ou on laisse tomber, on se dit, il reste une minute, c'est impossible. Non, c'est pas impossible. Donc,
Pour résumer, lorsque on vient tous les jeudis soirs de 20h à 21h et qu'on médite sur soi-même un petit peu, on se rend compte qu'on a une âme. On se rend compte que cette âme, elle est extraordinaire. Qu'on a en fin de compte deux âmes, même trois. Et que chacun a un travail spécifique. Et qu'il y en a un qui est là pour s'occuper du monde, un qui est là pour s'occuper de la spiritualité, un au milieu qui est en fait nous-mêmes, qui nous fait le lien entre les deux, et qui fait que le monde n'est pas seulement un monde qu'on va simplement vivre ou survivre, mais qu'on va y mettre un but. Pourquoi on va manger? Pourquoi on va dormir? Pourquoi on va faire ci? Pourquoi on va faire ça? Il y a une raison pour tout cela. Et ça, c'est le moment de la méditation qu'on va faire pendant la tefila, qu'on va commencer à réfléchir, à se dire... Pourquoi? Pourquoi je me suis levé ce matin? Pour aller au travail? Pourquoi je vais aller au travail? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi? Se poser la question pourquoi? Vous savez, la première question que Hacham il a dit à Adam, lorsqu'il a mangé le fruit interdit, il lui a dit « Ayeka, où es-tu ?» Vous savez, vous pensez qu'il ne savait pas où il était? C'est Dieu, il sait très bien où il est. La question c'est où tu en es dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait aujourd'hui ou pas? C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, j'en suis où? Est-ce que j'ai une raison pourquoi la journée est finie? Est-ce que ma journée est passée? J'ai fait passer le temps? Ou j'ai vécu le temps? C'est rien à voir. Rien à voir. Des fois, on va dormir, on est fatigué de n'avoir rien fait. Et quand on va dormir parce qu'on a fait quelque chose, on est content d'aller dormir. C'est autre chose. Alors, se rendre compte, le matin, qu'on va se poser la question « Pourquoi je me suis levé ce matin ?» À midi, on s'arrête. Et on dit « Hachem, attends, jusque-là, c'était pas mal. On va reposer la question. Pourquoi maintenant cet après-midi ?» Et après, le soir, ça, c'est la vraie méditation. C'est ça ce que la Torah nous dit. Chaim. Merci. Merci. Je voulais juste demander, Hachem, alors, vous savez, c'est Chai Elul. C'était il y a deux jours. Chai Elul, c'est le 18 Elul. Et depuis deux jours, chaque jour qui passe, rattrape un mois entier.